Déjà, connaissent mes passions. La musique heavy metal, le cinéma des années 90, le polar et le roman noir, et plus précisément la série noire, collection que j'ai découverte il y a 15 ans, m'ayant permis de lire les classiques de la littérature policière. Et bien sûr, Stephen King, auteur que je vénère depuis 20 ans. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes coups de cœur de l'année passée, de 2016, de la série noire qui vient de sortir en version poche chez Folio, Rural Noir, de Benoît Mainville. C'est rural et c'est noir. Le film et le roman noir prennent leurs racines dans la culture industrielle et l'urbanisation sauvage. C'est pourquoi, aujourd'hui, dans de nombreux polars, que ce soit au cinéma ou dans les bouquins, la ville demeure une pièce maîtresse de l'ambiance et bien très souvent principale source d'inspiration du genre. Mais si l'on regarde de plus près, le polar rural trouve également tout son sens. Eh oui, tout le monde est au courant que la banlieue, c'est pas rose, la banlieue, c'est morose. La banlieue, c'est pas rose, la banlieue, c'est morose. Mais la campagne, car il ne faut pas se leurrer, la campagne, c'est aussi les commerces fermés. La sensation d'abandon, la difficulté à survivre ou encore la pauvreté. Et derrière les apparences peuvent très souvent se cacher des crimes à la brutalité insoupçonnée. Et c'est dans tout ça que nous plonge l'auteur Benoît en pleine campagne nivernaise où se jouent des drames à quelques années d'intervalle. L'intrigue bien ficelée alterne entre passé et présent, mais aussi entre fou rire et larmes, entre insouciance et la cruauté du monde adulte. Car ce qui compte le plus dans ce roman, c'est sans doute l'humain. Petit village oublié, bande de potes, musique, mobilette, filles, pack de bière, tout est là. Et je suis sûr que pas mal de lecteurs y retrouveront leurs propres souvenirs de vacances à la campagne, tellement il est facile de se projeter dans le récit. Benoît dresse une galerie de personnages forts et marqués. Benoît nous parle de la jeunesse qui dérape, donc l'ambiance ne peut être que sombre et oppressante. Le roman est bourré de références à la culture heavy metal, au cinéma des années 80. On retrouve l'ambiance des années 80 et l'influence de Stephen King du fait de l'intrigue liée à l'enfance et de cette alternance présent-passé. À la lecture, on a des images qui remontent des films. Stand By Me, bien sûr, le film adapté de Stephen King. Mais pourquoi pas le film français Hors la loi, premier rôle de Clovis Cornillac. On pourrait en trouver plein. Chacun trouve ses propres références par rapport à son propre passé. Un roman sombre, émouvant et surtout servi par une écriture percutante et précise. Un roman digne de la série noire, quoi. J'ai juste un mot à dire si vous ne connaissez pas Rural Noir, si l'aventure vous tente, si une balade bucolique dans la campagne vous enchante, vous pouvez aller acheter Rural Noir de Benoît Mainville. Je vous garantis que vous allez passer un excellent moment de lecture.